transversale pour Nadeau. Dans le territoire des remparts, tir bloqué par Nas. Voilà maintenant Rochette, ça mène en zone ennemie. 2-1 avec Savoie. Rochette s'avance. Le tir. Arrêt de la peine avec le pot. Agostino pousse la rondelle devant lui. Bonne réaction d'Olivier Boutin qui lui enlève le disque. Et Luneau au centre rejoint Marcel. Sortie territoire des Olympiques. Marcel dans le territoire des remparts. Passe devant le tir et le but. Cam McDonald ouvre la marque. Marcel du revers a rejoint McDonald. Et pour la première fois des présentes séries, les remparts accordent le premier but dans la rencontre. Bon jeu de transition des Olympiques. Marcel a rejoint du revers. Cam McDonald qui s'amenait rapidement dans le territoire des remparts et de cette façon, Gatineau prend les devants 1-0. Un bon jeu de transition des Olympiques. C'est Tristan Luneau qui a amorcé l'attaque en rejoignant Marcel et rapidement, Gatineau s'est amené dans le... Siva Komarov derrière son filet sur sa gauche, la passe à Jérémy Langlois. Son bâton s'est brisé dans ses mains. Ça permet à Véro de reprendre. Pour Dean, le tir. Arrêt de Rousseau. Un bel arrêt de William Rousseau. Les deux capitaines à la mise en jeu. Dans le territoire des remparts. Personné par Nico Savoie. Revient le long de la ligne bleue. Passe pour Luneau. Tristan Luneau en contrôle côté droit de la patinoire. Dribble avec la rondelle. Passe sur sa gauche. Dean s'avance. Le tir. Bel arrêt! Les Hawks de Chicago, Ligue nationale de hockey, fait tourner derrière le filet. Kinney perd la rondelle. Voilà Pierre-Olivier Roy qui laisse à Zachary Bolduc. Il accélère sur l'aile droite. Tente de déborder Boutin. C'est fait. Coupe au filet. Le tir. Bel arrêt de la peine. Bolduc. Olivier Boutin a quand même empêché quelque peu Bolduc, mais il a réussi à se créer une bonne chance de marquer. Il était tout près du gardien lorsqu'il a tiré. 7 minutes 43 à faire en première période. Gatineau. C'est gagné par les Olympiques au point d'appui Riley Kinley. Sur sa gauche, à Luneau, le tir, bel arrêt de Rousseau. En plongeant, il réussit à garder. Étendu de tout son long, Rousseau réussit à stopper la rondelle qui avait dévié sur un patin devant le filet. C'est Nadeau qui avait pris place devant le but. C'est sa place, c'est son bureau, Olivier Nadeau, devant le filet. Encore une 50. Intercepté habilement par Siva Komarov. Komarov relance l'attaque pour les siens. Au centre, la passe pour James Malatesta en entrée de zone. Malatesta à Godette. S'avance le tir. Arrêt de la pénale. On rejoint Robida sur l'aile gauche à Charles Savoie. En entrée de territoire pour Michael Huchette. Huchette, la remise devant, c'est raté tout juste. Savoie dans l'enclave. Incapable de saisir le disque et sautillant. C'est repris par Robida. Et le but! Robida! C'est en haut! La rondelle est demeurée libre tout près du gardien. La pénale. Elle était sautillante. Robida a pris le temps de la placer sur la lame de son bâton. Et il a dégainé pour battre le gardien. La peine a part dessus l'épaule gauche. Les remparts créent l'égalité avec 12-46 à jouer. Par-dessus l'épaule droite, pardon. Avec 12-46 à jouer en deuxième période. Un sixième au cours des présentes séries pour Justin Robida. Le meilleur marqueur de l'équipe au cours des séries 2023. 1-1 la marque et on va reprendre sur sa gauche. Kinney le tire à la droite du gardien. Langlois remet sur la rampe. Robida bataille avec Kinney. Samano centre 2-1. Robida et Godette. Robida, la fin. Passe devant. Langlois le but! Jerry! C'est 2-1 Québec! But marqueur en infériorité numérique. 4-5. Écoutez la foule! Jérémy Langlois est venu appuyer l'attaque. C'était un 2-1, Robida et Godette. Robida était patient, il a attendu que Langlois se libère, lui remet le disque. Et Langlois dégaine rapidement pour marquer en infériorité numérique. C'est deux. Gaucher tire sur réception, arrête de la peine. Langlois réinstalle le jeu de puissance pour Bolduc. Bolduc dans le coin, Rochette à la gauche du gardien. Pour Gaucher, passe à Robida. Bel arrêt de Francesco Lapena. Oh, Francesco! Quel arrêt avec la main droite, un tir sur réception de Justin Robida. Superbe arrêt combatif, le gardien des Olympiques. 19 secondes à la première punition, celle de McDonald excelle dans sa mise en jeu. C'est gagné par Québec. Langlois derrière son filet à Truchon. Côté droit de la glace pour Kassim Godette. Godette garde contrôle sur la rampe. Harcelé par Kinney, rondelle qui meurt dans le territoire des remparts. Truchon déblaye vers le centre. 5 secondes, Malatesta la poursuite de la rondelle. Luneau l'a battu. Malatesta pour Gaucher, le but! Nathan Gaucher complète le jeu de James Malatesta et ses 3-1 remparts. James Malatesta embarqué sur son cheval. Il a battu Luneau à la rondelle. Ramener le disque devant et Gaucher était libre. Il loge la rondelle par-dessus l'épaule droite de Francesco Lapena. Il restait 0.2 secondes à faire en deuxième. Et les remparts marquent un gros but en fin de période.
Un troisième dans ce deuxième 20 pour porter la marque 3 à 1. Quel effort de James Malatesta pour récupérer le disque. Il a battu Tristan Luneau à la rondelle. On va aller à la reprise vidéo, mais je suis convaincu. Gauche devant lui, sur sa gauche, un bouton de tir. Rate par-dessus la cage de Rousseau. On est qui glisse au centre. Gaucher s'empare du disque. Ça mène en zone ennemie. Avec Malatesta, 2 contre 1. Le tir. Arrête de la peine. Il n'y aura pas de retour. On va faire en troisième, toujours 3-1 Québec. Gaucher avait 2 options, mais il a pris la bonne, celle de tirer. Puisque l'angle de passe pour Malatesta sort de son filet. Repousse lui-même par la rampe du côté gauche. C'est intercepté par Maisonneuve. Garde la rondelle dans le territoire des remparts. Dans le coin, McDonald revient devant. C'est dangereux. Passe sur sa gauche et le but. La passe transversale pour Riley Kidney. C'est 3-2 la marque. McDonald a fait un beau jeu pour garder la rondelle dans le territoire des remparts. Et il a repéré Kidney sur sa gauche. De cette façon, les Olympiques réduisent la marque à un but. Avec 12-59 à jouer en troisième période. 3-2 au pointage. Très beau jeu de McDonald qui a été patient avec la rondelle. Il a repéré Riley Kidney bien positionné à la droite du gardien. Rousseau revient au point d'appui. Luneau le tire, rate par-dessus la cage. Rondelle qui bondit jusqu'à Gendron. Incapable de tirer, Kidney reprend. Riley Kidney du haut des cercles. S'avance le tir et le but! Kidney a battu Rousseau, c'est 3-3. Un long tir de Riley Kidney, balle gardien des remparts. On est à égalité avec 2-48 à jouer en troisième période. Kidney avait du temps et de l'espace. Il a laissé partir un bon tir des poignets. Et son tir a battu le gardien à sa droite. On va reprendre au centre de la glace. C'est 3-3 la marque dans le match numéro 2. D'une série 4 de 7, menée 1-0 par les remparts. Regarde ses options en sortie de territoire. Maisonneuve, zone neutre. Passe sur la droite, c'est bon pour McDonald. Dans le territoire des remparts, la passe devant. Le tir de Marcel, ça a touché le poteau. La passe était parfaite sur la gauche. Le tir de Marcel, peut-être que Rousseau a réussi à toucher le disque. Il a été combatif à tout le moins sur sa droite. Mise en jeu dans le territoire des remparts. Vers la rondelle, beau jeu d'Olivier Boutin. D'un lob de blé vers le territoire des remparts. C'est capté au vol par Komarov, récupéré par Cole Cormier. Fin de tir, passe devant. Le tir arrêt de Rousseau. La rondelle glisse sur sa droite à Langlois. 6 contre 5 les remparts. Langlois pour Gaucher. Fin de tir, devant. Non, ça passe dans la clave. Non, ça a touché le poteau. Et la peine récupère juste là-dedans. C'est Alexis Gendron qui est chassé. C'est Olivier Nadeau. Championnat mondial de hockey junior. Gagné par Gaucher. De Godette à Komarov. Komarov descend sur l'aile gauche de Fenn Nadeau. Tente une remise devant. Gaucher derrière le filet récupère à Nadeau. Godette, oh, quel arrêt! Et bon! Kassim! 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 Godette! Et les remparts l'emportent 4-3 en prolongation cet après-midi au centre Vidéotron. La passe de Nathan Gaucher pour Kassim Godette. Je pense que c'est lui qui a marqué. Il a récupéré son propre retour de lancer. À 16-02 de la première période de prolongation, les remparts l'emportent et prennent les devants 2-0. Le gardien, la peine à sa droite. Bon jeu de Gaucher. Passe dans l'enclave, tir de Godette. Effectivement, il a récupéré son propre retour de lancer. Il est allé au filet, Kassim Godette, pour loger le disque à la gauche de Francesco Lapena. 46e tir au but pour les remparts.